à Saint-Cyr, au Mont d'Or. J'ai vécu à Saint-Cyr toute ma vie. En cuisine, j'aime bien travailler plutôt le salé. Donc j'adore travailler tout ce qui est viande, poisson, avoir des beaux produits, des produits entiers si possible, des gros saumons, des turbos, tout ça, c'est vraiment là où je me fais plaisir. Quand j'ai vu déjà ce qu'il fallait faire et ensuite ce qu'on gagnait aussi, partir un an à l'étranger, ça m'a tout de suite donné envie de faire ce concours. Quand on voit que c'est des restaurants Bocuse d'Or, ça nous donne très, très envie d'y aller parce qu'on sait qu'on va travailler aux côtés de grands chefs. Oui, le fait que ce soit des pays nordiques est très important pour moi parce que j'y suis déjà allée et j'ai vraiment adoré. J'ai rencontré des gens très calmes, très posés, très accueillants. Je me suis dit, voilà, de toute façon, je veux y retourner et je veux aller travailler là-bas. Pour mon récit de voyage, la chose dont je vais avoir le plus envie de parler, ça va être, pour moi, l'utilisation de nouveaux produits et aussi le fonctionnement de nouvelles brigades à l'étranger, qui sont peut-être un peu plus calmes qu'en France, où on travaille un peu différemment. Ou peut-être qu'en tant que stagiaire et en tant que femme aussi, on aura une place différente. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de découvrir ces brigades.